Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder aujourd'hui les énergies qui seront présentes pour vous pour ce mois de février 2021 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Les Verseaux pour le mois de février 2021 pour les Verseaux, les Verseaux. Les énergies qui seront présentes pour les Verseaux février 2021. Alors, nous avons la carte de l'échange houleux et de la réconciliation. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que si vous étiez disputé avec quelqu'un, vous allez vous réconcilier ou vous allez pardonner, ou bien c'est l'autre personne qui va vous pardonner. Alors, je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'une voyance personnalisée. Prenez les énergies qui vous parlent. Et si ce tirage ne vous correspond absolument pas, n'hésitez pas à regarder le tirage de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire, surtout si vous êtes une femme. Alors, on va commencer par les interprétations. Je vérifie juste que ma caméra fonctionne bien. Et c'est parti pour vous les Verseaux, s'il vous plaît, les Verseaux pour le mois de février 2021 pour les Verseaux, s'il vous plaît, les Verseaux février 2021. Et on va prendre une dernière carte pour vous, amis Verseaux, pour la toute première interprétation. Alors, les Verseaux, s'il vous plaît, on va prendre celle-ci. Très bien, bon, ok. Alors, ouf, très bien, ok. Bon, alors, amis Verseaux, on me dit qu'il faut que vous fassiez attention. Malgré tout, si vous êtes dans l'envie de signer quelque chose, un projet, là, ça peut être un projet par rapport à des voitures ou une voiture. On me dit de faire attention peut-être si vous avez envie d'en acquérir une ou si vous avez peut-être envie de vous lancer dans le business voiture. En tout cas, faites attention. Vous pouvez aussi avoir des réparations, à mon avis, qui vont se faire. Il y a une perte d'argent ou un abus de confiance. Et pour cela, si vous achetez, soyez prudent et révisez bien celle-ci parce que peut-être qu'il y aura des soucis par rapport à cela pour vous. Donc, je vois des soucis peut-être au niveau de tout ce qui pourrait être voiture, trafic, routier. Ensuite, je vois un froid et des petites difficultés aussi par rapport à tout ce qui est maison ou grande ville. Donc, ça peut être tout simplement des difficultés pour un achat, pour une location, pour des travaux à faire. Vous avez peut-être des choses à faire par rapport à un bâtiment, une maison, un appartement. Et c'est un petit peu compliqué en ce moment, peut-être même financièrement pour payer ou ce genre de choses, d'accord? On me dit aussi que sinon, ça peut être compliqué si vous désirez. Alors, peut-être muter soit vers la campagne ou la ville. On va approfondir ceci pour vous, amis Verseaux. Les Verseaux, février 2021. Ok, je vois une histoire de justice. Ça peut être aussi une histoire de notaire. Très bien. Les Verseaux, février 2021. Ok, nous avons la carte aussi de la sexualité. Pour certains ou certaines, amis Verseaux, peut-être qu'au niveau couple, vous essayez de retrouver un certain équilibre au niveau charnel parce que peut-être que tout simplement, c'était plus au top. Donc, vous allez peut-être essayer de retrouver un équilibre charnel. Et pour les célibataires, c'est tout simplement peut-être que vous avez aussi envie d'être accompagné dans votre vie et le contact physique vous manque. Alors, les Verseaux, février 2021. Ouais. Je vois que pour certains ou certaines, à mon avis, c'est un petit peu compliqué de ce côté-ci, au niveau charnel. Comme je vous disais, peut-être il y a une mésentente, un manque, voilà quoi. Verseaux, février 2021. Ok, donc on me parle d'une période de 3 mois à l'automne. Donc, si vous aviez, comme je vous disais, peut-être un projet professionnel ou le fait de vouloir partir ou le fait de vouloir investir ou le fait d'espérer avoir le budget pour faire quelque chose dans une grande ville
ou bien d'investir dans une grande ville, on me parle de 3 mois. Donc dites-vous bien que ça sera février, mars, avril, entre avril et l'automne prochain pour ceci. On me dit aussi qu'en ce qui concerne le charnel, pour beaucoup d'entre vous, vous n'allez pas forcément faire des rencontres de ce genre de type ce mois-ci. Par contre, d'ici les 3 mois jusqu'à pareil la fin de l'automne, à mon avis, vous aurez peut-être une rencontre charnelle, entre guillemets, ou de l'attention d'une personne. Donc là, c'est vraiment pour les célibataires. Bien évidemment, pour tous ceux qui sont en couple, que ça se passe bien, on ne va pas chercher les problèmes. Donc, je regarde vraiment les énergies pour ceux qui ont besoin de savoir certaines choses. Alors, je vais continuer pour vous, amis Verseaux, en ce qui concerne ces bâtiments. Les Verseaux, février 2021. Ouais, j'ai la carte de la lenteur, hein, vous voyez. Donc, tout ce qui est projet, peut-être dans des grandes villes, achat, location, maison ou travaux, ça va prendre du temps. Je vois que ça va prendre plus de temps que ce que vous vouliez. Hein. Les Verseaux, parce que février 2021. Alors, il se peut aussi que pour certains ou certaines d'entre vous, il y ait un froid avec une jeune fille brune ou les cheveux châtains. Ça peut être votre enfant, ça peut être une amie. En tout cas, c'est une jeune fille qui peut être une ado, qui peut être une jeune femme. Hein. Mais je ressens quelqu'un quand même d'assez jeune, un grand froid avec cette personne-ci, mais une réconciliation, d'accord? Peut-être que pour certains Verseaux, vous appréciez cette fille-là, mais pas de la même manière. Peut-être que vous aviez un penchant pour quelqu'un et qu'il y avait un froid parce que celle-ci ne ressentait rien pour vous, mais vous allez quand même apprécier son amitié et finalement garder ceci, d'accord? Donc, je ressens ceci pour l'homme Verseau, mais jeune fille Verseau, ça peut aussi vous correspondre, que vous appréciez énormément quelqu'un et que finalement, la relation de l'autre côté n'est pas la même. Mais c'est une belle relation pour vous malgré tout au niveau même amical. Alors, les Verseaux, Verseau février 2021. Ok. On me dit bien qu'il faut que vous vous recentrez sur vous, d'accord? De ne pas faire n'importe quoi, de réfléchir, de prendre le temps de la réflexion, ami Verseau. Et c'est peut-être un mois aussi où vous allez vous sentir, vous allez avoir besoin d'être appuyé peut-être, mais vous allez avoir besoin aussi de vous recentrer parce que il y aura certaines choses qui ne seront pas forcément faciles à gérer. Donc c'est pour cela vraiment... prenez sur vous, même si psychologiquement ça va être compliqué parce que vous allez avoir des petites difficultés dans certains domaines, notamment au niveau charnel, peut-être au niveau budget, et même dépenses, hein, puisque je vous disais, faites attention à tout ce que vous allez signer au niveau des voitures, des réparations. Hein. Mais prenez sur vous. On va continuer avec les papiers pour avoir un petit peu plus d'informations malgré tout pour vous, amis Verseau. Les Verseaux, février 2021, les papiers. Ok, donc j'ai la saison du printemps, d'ici 3 mois encore une nouvelle fois. Alors à mon avis, vous allez peut-être devoir effectivement dépenser ou revendre une voiture d'ici le printemps ou les 3 mois, peut-être pour vous faire un petit peu d'argent, ou vous avez peut-être des choses à faire, style un contrôle technique, ou ce genre de choses, et au maximum d'ici les 3 mois, d'accord? Donc voilà ce que je vois pour vous au niveau voiture. Je vois aussi une perte d'argent, donc faites attention à ceci. Hein. Alors les Verseaux, s'il vous plaît, février 2021, les papiers, le printemps et la jeune femme. Donc ça peut aussi vous concerner femme Verseau. Alors, est-ce que je peux avoir une autre information, s'il vous plaît, en ce qui concerne les papiers, le printemps et la femme pour les Verseaux? J'ai aussi la période de l'été. Donc, on me dit même que vous allez peut-être avoir du retard sur certaines choses à signer. Ou d'ici les 6 mois, vous allez encore une nouvelle fois faire des papiers. Alors, les Verseaux, s'il vous plaît, je voudrais encore un petit peu plus d'informations. Ok, j'ai la carte de la rupture. Alors, la carte de la rupture, ça peut tout simplement me dire que vous vous séparez d'un bien. Ou bien, effectivement, une rupture conventionnelle, une rupture par rapport au travail d'ici les 6 mois. Alors, je ne vous dis pas que c'est un licenciement forcément et que vous vous retrouvez sans boulot. Ça peut être vous aussi hein, qui demandez à démissionner. En tout cas, pour pas mal de Verseaux, à mon avis, d'ici les 6 mois, vous allez peut-être changer de boulot ou il y aura une rupture de contrat. En tout cas, c'est ce que je vois.
Vous voyez, donc surtout si votre métier ne vous correspondait pas, parce que je vois qu'il y avait un mal à l'aise ou peut-être que vous étiez dans une société où ça ne marchait plus. Donc, rupture de contrat. Bon, oui, c'est pas forcément négatif, hein. Je vois aussi la rupture de contrat, vous allez avoir de l'argent, hein. Donc, on va vous donner un petit peu d'argent du fait que vous décidez de partir. Alors, ça peut être comme un accord avec votre patron, ça peut être un licenciement économique. Voilà, en tout cas, je vois l'argent. Bah écoutez, vous voyez, je vois la promotion et l'argent. Alors, ça peut être aussi que vous signez un nouveau contrat pour faire autre chose, c'est une évolution. Donc, c'est pour ça que je vous disais, je vois que vous quittez du mal pour finalement aller vers du bien. Vous allez peut-être aussi déménager pour certains ou certaines, ça peut me dire cela. Mais moi, je vois vraiment le contrat quand même au niveau pro. Alors, par contre, j'ai vu vol et perte pour vous, Verseau. Vol ou perte, mais je vois malgré tout la carte de la campagne, de la tranquillité. Ok, je voudrais d'autres informations, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ok, vol ou perte. Mais pourquoi? Parce que peut-être tout simplement que moi, je vous voyais aussi perdre au niveau de la voiture, mais aussi au niveau de tout ce qui est peut-être vacances. Vous avez besoin de partir et vous allez partir. Alors, vous n'avez pas forcément des moyens qu'il faut, mais je vois quand même avoir un besoin de partir et que vous allez vous dire, bah, je m'en fiche, je pars quand même. Donc, c'est pour cela que je vois qu'il y a effectivement de la perte d'argent aussi pour certains ou certaines. Vous voyez, au niveau de l'équilibre, c'est peut-être ça, c'est que financièrement, eh bien, vous n'avez pas forcément les bons moyens. Par contre, si vous partez en voiture, faites tout de même attention par rapport à ceci. Mais ouais, c'est pas une grosse perte comme si vous êtes fait arnaquer. Vous, entre guillemets, par rapport à cela, vous vous en doutez puisque vous savez que vous n'avez pas le budget pour partir. Bon, par contre, je vois que vous allez quand même sûrement partir en vacances pour faire la fête, pour fêter quelque chose. On va peut-être même vous inviter tout simplement. Donc, c'est pour cela que vous allez bouger. Alors, ceci, je vois quand même arriver, soit en février, mais à mon avis, je ressens aussi, vous voyez, la période des 3 à 6 mois, parce que j'ai vraiment ces deux saisons qui se trouvent juste ici, au milieu de ce jeu. Donc, il faut vraiment se référer au mois où je vous tire les cartes, mais vous allez sûrement déjà prendre la décision durant le mois février pour partir durant les 6 mois, ou au bout de 6 mois. Vous voyez, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui va vous inviter, donc qui va vous dire « allez, viens » et vous allez y aller tout simplement, voilà. Donc, ça peut être un homme, un jeune homme qui vous propose peut-être d'aller chez lui ou d'aller dans l'endroit où il vit. Alors, pour certains ou certaines femmes Verseau, je vois aussi qu'au niveau sentimental, il y a eu peut-être des difficultés et puis bah, il va y avoir réconciliation parce que vous allez justement discuter. Donc là, c'est encore une nouvelle énergie, cette fois-ci au niveau sentimental qui arrive. Et je voudrais un peu plus d'informations, s'il vous plaît, par rapport à ceci. Ok. Carte très, très positive. Donc, pour tout ce qui est sentimental, je vois quand même une autre énergie, vous voyez, qui me fait vraiment plaisir pour vous puisque je vois que la communication est la clé pour vous. C'est-à-dire que si vous étiez, on va dire, dans une relation en ce moment en dents de scie, eh bien, vous allez finalement quand même vous rapprocher, peut-être par le fait que vous allez avoir une activité, des sorties ensemble, discuter, et ça va vous permettre de vous rapprocher. Pour certains, comme je vous disais, je n'avais pas forcément de rencontre dans l'immédiat, soit, mais vous allez quand même sortir et rencontrer du monde. Et pour ceux pour lesquels charnel, au niveau charnel, c'est un petit peu compliqué, oui, ça va prendre du temps. Mais il y a quand même des rencontres et du dialogue. Et on me dit surtout de vous donner cette info, dialoguer pour que ça se passe au mieux dans votre vie sentimentale. Voilà pour nous, amis Verseau. J'espère que ce tirage vous parle. Si ce n'est pas le cas, bien évidemment, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Je me répète, mais c'est hyper important. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, sur le compte Astro et Voyance, où je vous fais des petites guidances du jour. Et d'ailleurs, il y a des petits concours pour gagner de temps en temps des questions de voyance, où je fais des petits calculs pour savoir votre chemin de vie. Enfin voilà, il y a quand même pas mal d'activités sur ce compte-ci. Et puis, bah, ça nous permet aussi de partager beaucoup de choses dans ce domaine. Voilà, si ça vous intéresse, je pense que oui, puisque vous regardez sûrement cette vidéo. Et puis bah voilà, mi Verseau. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, puisque je ne mets pas forcément
mes vidéos à une journée bien précise. Je vous mets toujours les tirages horoscopes un petit peu avant le mois en question pour que vous puissiez savoir déjà les énergies qui vont arriver vers vous. Mais activez bien la petite cloche pour savoir quand est-ce que mes vidéos sont publiées. Gros bisous à vous, amis Verseau.